qu'est-ce qu'on a envoyé comme message au gouvernement aujourd'hui en étant 120 000 à Paris? On a envoyé un message, mais que le gouvernement n'est pas en capacité d'entendre parce qu'il est enfermé dans sa logique. Voilà. Donc par contre, on a envoyé un message bien plus important aux Français et aux salariés, c'est qu'ensemble on peut faire quelque chose, on peut faire bouger les lignes et on donne un message d'encouragement et de courage pour aller de l'avant. Ok, ok, merci. Pour se syndiquer, la force des syndicats, c'est les salariés, c'est vous. Est-ce que tu peux nous parler du débat que CGT Isère compte organiser prochainement? La CGT Isère propose d'ouvrir un lieu de débat, un lieu d'échange contradictoire. C'est pour ça que ce débat lié au travail, on le propose dans le cadre d'une intersyndicale, donc avec d'autres syndicats que la CGT. On le propose avec d'autres forces progressistes, l'objectif étant de rassembler le maximum d'organisations, associations et partis politiques qui pensent qu'il faut effectivement combattre l'austérité, mais en mettant en débat la déclinaison de l'austérité en France. Et aussi, c'est très important, même si c'est pas toujours facile, le mouvement social qu'il faut pour imposer une autre société. Aujourd'hui, étiez dans les manifestations. Alors tous ensemble, demain, dans les entreprises, dans l'unité la plus grande... Et est-ce que la CGT a des propositions à faire? La CGT a toute une série de propositions à faire justement pour sortir de l'impasse du marasme économique. L'une de ces solutions les plus emblématiques et qui fait le plus grincer les dents le gouvernement, c'est la diminution du temps de travail, notamment le passage aux 32 heures. Puis la revendication de la semaine, de la journée de 8 heures, on entend le sempiternel discours, le travail coûte cher, c'est pas possible de réduire le temps de travail. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde le travail tel qu'il est, on vérifie des intensifications, de l'accélération des rythmes de travail. Le patronat propose de diminuer le coût du travail. Et vous, vous proposez de diminuer le temps de travail, mais avec une diminution de salaire? Non, le patronat propose toujours de diminuer ce qu'il appelle le coût du travail. Mais d'abord, il faut rappeler une chose importante, c'est que le travail ne coûte pas, il rapporte. Sinon, il n'y aurait pas de travailleurs si le travail ne rapporterait pas. Et bien évidemment qu'il est question de diminuer le temps de travail, mais sûrement pas de diminuer les salaires, bien au contraire, parce que les deux principales préoccupations, ce sont l'emploi et le salaire. Il s'agit de diminuer le temps de travail. Avec plus de 10 millions de chômeurs en France aujourd'hui, on a besoin de travailler mieux, on a besoin de travailler tous. On fait un peu plus de bruit parce qu'on est fumeur, hein. Macron, c'est tout ça.